Yop tout le monde les gens, c'est Rajgoz, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, moi ça va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un magnifique gameplay. Donc il n'y aura pas de DNA, mais c'est une double brutale les gars, double brutale, c'est à dire 25 kills d'affilée. Donc la DNA c'était à 30 kills d'affilée, à 29 si on a le... si on a détermination. Donc là c'est à 25, donc j'ai à 4 kills de la DNA. Donc j'ai fait deux fois ça d'affilée. Donc c'est après l'arme, c'était la balle 27 peut-être, certes, mais c'est quand même une double brutale en solo bien sûr, sur la map Recovery, donc qui est pas une map super facile, on peut se faire back facilement. Donc en tout cas moi j'espère que ce gameplay vous plaira. Moi en tout cas j'ai pris vraiment du temps, regardez ce gameplay, tous mes déplacements et tout, c'est pour voir, c'est vraiment magnifique et tout. Si je pouvais l'upload, parce que certes peut-être il y a une balle 27, mais c'est quand même une double brutale, même s'il n'y a pas vraiment de perf. Enfin, vous pouvez considérer ça comme une perf, la double brutale. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce je vais vous faire un petit commentary pour reparler un peu du projet, puis apporter quelques éléments en plus qui vont sûrement vous plaire. Donc d'ailleurs voilà, donc le premier élément qui va vous plaire, c'est qu'à la base je vais vous upload une DNA par jour, c'est à dire vous devez deviner si elle est fail ou pas, ça veut dire que j'avais fait des brutales et tout, j'étais deg et tout. Mais non les gars, là ça y est, j'ai toutes mes DNA pour toute la semaine, même pendant 2 semaines si vous voulez. J'ai réussi à faire ça pas très très longtemps. Chaque soir quand je rentre des cours, j'ai un peu de temps, je joue un peu. Je fais mes dents bien sûr, vous inquiétez pas. Après pour les vidéos, j'essaie d'en faire deux tous les deux jours. Enfin trois par semaine, voilà, comme ça c'est clair, 3 par semaine, c'est le maximum que je peux faire. Après au moins une par semaine. Donc voilà, donc là j'ai réussi, donc comme je disais, à faire les 7 DNA, et même j'en ai fait plus de 20 de toute façon. Et donc voilà, et pour la première semaine, ce que je vais vous sortir, ce qui vous fera plaisir, c'est que les gars, j'ai réalisé la DNA avec tous les fusils d'assaut. C'est-à-dire, je crois, attendez, je suis sur ma console là actuellement, là comme ça vous pouvez voir. Et je vais vous dire combien il y a de fusils d'assaut. Alors je vais compter avec vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, donc ça représente 6 vidéos. Et donc c'est pour ça, il y a comme dans une semaine, bien sûr je vais pas apprendre des choses aux gens, il y a 7 jours. Si j'apprends des choses aux gens, faut se poser des questions, d'accord, hein. Donc voilà, donc ça fera un gameplay par jour. Et donc il aura les 6 DNA, donc les 6 premiers jours, où on verra comment je dispatche ça. Mais en tout cas, il aura les 6 DNA avec les 6 armes différentes, les 6 fusils d'assaut. Et il aura sûrement un bonus, genre avec une double DNA ou un truc comme ça. Donc une belle perf. D'ailleurs, je tiens à vous dire que genre les DNA avec la la MK14, j'ai vraiment vraiment galéré, et j'ai même fait une brutale, j'étais mort à 29. Donc je pense que je sais pas si je vais l'upload ou pas celle-là, mais j'étais mort à 29. Vous pouvez pas imaginer ma déception, comment j'étais dégoûté, parce que c'est vraiment dur de la faire avec cette arme. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que vous allez pendant cette semaine là être actif tous les jours, à mettre un petit com pour vous dire que vous êtes là, mettre un petit like pour dire que vous êtes avec moi, et donc voilà, mettre un petit partage aussi pour que les gens soient avec moi. Et désolé pour le rime, c'est avec la parodie et tout, j'essaie c'est à force d'essayer de trouver des rimes et tout pour que ça aille bien avec ma musique pour ma future parodie que je vais faire. Du coup si ça vient tout seul, des fois je fais des rimes, je sais pas, excusez-moi pour ce petit rime. Donc voilà, donc j'étais parti pour vous dire aussi, donc ça c'était le premier élément je crois, ou le deuxième, je sais pas, troisième élément en tout cas, je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième, ce sera aussi que je vais vous proposer sûrement, si j'ai le temps, si j'ai le temps, des gameplays pour vous, c'est à dire je ne les uploaderai sur ma chaîne que en non répertorié, pas en public ni commenté, ni avec de la musique, sans montage, qui sera pour vous bien sûr. C'est à dire, qu'est-ce que je dis par pour vous, ça veut dire que je les utiliserai pas, ce sera vous qui les prendrez si vous voulez pour votre chaîne YouTube, pour faire un commentaire dessus si vous voulez un gameplay de fond et que vous n'arrivez pas à faire de performance ou voilà. Donc ces gameplays là, ce sera pas forcément des DNA, je pense pas d'ailleurs qu'il en aura. Il y aura sûrement beaucoup de brutal, des fails de ma part.
Avec une, la, sûrement celle avec la MK14 du coup que j'hésite en 29. J'aurais eu détermination d'ailleurs, je l'aurais eu. Ça me foulait un peu la mort, j'ai oublié de le mettre. Enfin après, ça dépend aussi de la classe que tu mets. Je vous ferai une vidéo comme ça sur mes classes pour faire des DNA avec justement les 7 fusils d'assaut, les 6 fusils d'assaut. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Je disais quoi du coup? Ah oui, les gameplay du coup, bah vous prendrez si vous voulez. Mais il aura une condition, les gars. C'est quoi? C'est que vous devrez mettre ma chaîne en description. En subbox pour si vous avez envie, mais ça me fera vraiment plaisir. Et là, à ce moment-là, bah, vous pourrez prendre illimité et tout. Mettez aussi dans votre commentaire, vous dites que genre c'est pas votre gameplay, c'est le mien. Et que ma chaîne est en description. Donc voilà, après vous pouvez avoir n'importe quel niveau sur Call of, vous pouvez faire de la perf ou pas de la perf, vous pouvez en prendre, y a pas de problème, prenez mes gameplays. Mais après voilà, faut respecter ces conditions que je viens de citer. Pour la parodie, je sais pas si j'aurai fini à temps, mais je pense que la première semaine ce sera pas bon. La première semaine de mon projet où je mettrai DNA, je vais pas upload une parodie, elle ferait pas de vue. Je pense que je la ferai la deuxième semaine, si j'ai le temps bien sûr, parce que ça va me demander énormément de travail de finir cette parodie, et j'ai déjà énormément de travail à faire, à commenter, etc. Tous les gameplays que j'aurai à faire pendant les 6 jours. Il y aura peut-être une personne qui va m'aider, qui a un super level de commentary. Après, il n'est pas super fort dans les sujets, mais en tout cas, son level de commentary est énorme. Il a une voix magnifique, franchement les gars. Ça va vraiment apporter un peu de professionnalisme à ma chaîne, à mes vidéos. Donc il fera sûrement des commentaries avec un sujet sur le gameplay. Il rappellera bien sûr qu'on est sur le projet des 2000 abonnés. Il vous dira bien ça. Une autre parenthèse que je voulais ouvrir, j'avais dit du coup que j'allais vous faire gagner des bannières, etc. avec le logo Axorti, peut-être une outro si vous en avez envie. Pour les gens qui répondaient à la question si c'est fail ou pas fail dans les commentaires. Mais du coup, comme ce sera pas des gameplay fail, j'ai pensé à autre chose justement. Comme on galère à trouver des sujets de commentary et pour faire commenter à mon commentateur, qui va m'aider certainement pour les gameplays du projet, j'aurais besoin d'idées de commentary, pas du sujet de commentary. Donc, mais vraiment des bonnes idées originales qui pourraient intéresser pas mal de monde, qui sont pas trop dures à expliquer, que le gars pourrait s'y connaître et pourrait vous aider. Donc voilà, donc proposez dans les commentaires. Et si votre commentary est bien, et ben je vous fais votre logo, votre bannière, avec votre outro si vous voulez, tout assorti. Ce sera vous qui me demandez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'idée, là, pas de problème. Je vois avec mon GFX, il a plein d'idées lui. Il est devenu payant actuellement. Je vous avais dit qu'il était gratuit, il est devenu payant. C'est pour ça que faut vraiment passer par moi pour en me donnant des sujets de commentaires pour qu'il vous fasse quelque chose. Donc voilà les gars, ce gameplay va se terminer. J'espère que ça vous plaira. En tout cas que ça vous a plu si vous avez fini ce gameplay. Lâchez un like, mettez un commentaire et partagez, ça fera vraiment plaisir. Et sur ce les gars, c'était Ghost Killer. Allez, bye tout le monde.